confronté au coup, voilà. Pareil, hein, l'épée, quand vous donnez un coup dans le vide, sans rien toucher, ça vous compte pas un dégât sur l'épée. Voilà, donc, apparemment ça récupère une bonne quantité de sable, là, actuellement. Plus de stack ennemis. Donc je reste assez loin de mes rails quand même pour éviter de les détruire, hein, même si bon, ils sont sur de la... À moins ils sont sur de la cobble, mais il y en a une partie sur du sable, j'en ai pas de trop. Bon, je dis que j'allais péter la dynamite, mais je suis en train de creuser, ça fait rien. Pour vous montrer aussi l'efficacité de la dynamite, hein. Même si je comptais vous m'en servir dans une mine, j'ai dit que je filmais plus le minage, alors pour faire du minage optimisé à la dynamite, c'est faisable, c'est possible. J'ai vu une vidéo là-dessus, très peu de gens le savent, comment faire du minage optimisé à la dynamite. Tiens, la glace, hein, vous voyez, retient l'eau, puisqu'apparemment ici il n'y a qu'une couche de glace, donc je pourrais creuser, donc je peux même creuser en dessous de la glace, ça pourrait être amusant. Voilà, voilà, je vais faire cuire mon stack de sable que j'ai là, enfin, mes stacks de sable, si ça donne quoi, si ça continue. Allez, hop, on continue. Je vais aller refaire cuire du sable également là-bas. Mon point de spawn est visible, hein. Voilà, donc avouez que c'est un truc bon. Pas en bas, c'est pas si joli que ça. Mais en haut, voilà. On peut être une architecture assez spéciale, hein, je peux comprendre. Mais... Il n'y a pas grand monde qui va aimer à mon avis, mais bon. Au moins, ça a l'avantage d'être pratique, vous voyez. Une vue sur absolument tout ce qui m'entoure. Enfin, le jour, avant de partir, eh ben, je fais un petit tour vite fait, voir ce qui se passe. Hein, et puis, hop, s'il n'y a rien. Et eh ben je peux partir directement dans le Nether par exemple. Voilà, il y a quelque chose. De l'eau. Rappelez qu'on avait là-bas. Exact. Je vais me faire un truc. Bien évidemment, vous avez compris, je vais me faire un surjoueur infini encore. Donc toujours deux sauts, hein, l'un côté de l'autre, ça peut toujours être utile. Vous voyez, si tu veux remplacer à nouveau. Même s'il va falloir que je l'évite d'arriver un moment pour, si je veux faire le gâteau, un T4 quand même. Parce que c'est ça que je vais faire. Donc le gâteau, je vais le faire. Donc mais très loin à faire le gâteau et puis ah ouais donc pareil ah bah voilà c'est ça que je voulais faire le tuto sur l'agriculture donc c'est simple hein, vous vous agenouillez sur une petite source d'eau infinie et vous récupérez du poiscaille mais faut que voilà donc, blotte légèrement le l'hameçon le bouchon voilà. Récupérer du poisson assez facilement comme ça
Je vais le manger cru, tant pis. Parce que mes forces sont occupées. Donc vous voyez, hein, les ennemis meurent quand ils tombent un peu, tout bêtement. Voilà. La pêche demande quand même pas mal de concentration. On va bien, je suis juste à celui-là. Voilà, la pêche demande beaucoup de concentration, je disais. Assez rapidement vous abîmez les yeux. Je sais pas vous, mais moi, voilà quoi. Quand je vous fixe comme ça, l'hameçon là, dans le jeu. La canne à pêche qui est valable une petite trentaine de coups. Hein, Et galère. Juste au moment où j'étais en train de me gratter le nez. Ça vous intéresse pas, mais bon, c'est ce que j'ai, voilà, hein, c'est pour ça que j'ai raté le poiscaille. Ouais, pareil, poiscaille, c'est pas bien de chez Mrousse. Bon, voilà, il me reste un cœur. Oh, allez. Pas toujours une nether, je vais pas... Il est pas à la kermesse du canton. On va pourtant y aller avec le ventre plein. Alors, ouais, alors, je n'utilise pas vraiment de mods, en partie solo, il y a donc, je n'ai que, too many items, mais je peux le faire, donc il me sert qu'en serveur, pratiquement, je ne m'en sers jamais en solo. Bon, là, je me suis servi une fois, donc c'était pour vous montrer la poudre de glowstone. Voilà, dans le nether c'est pas évident à trouver. Excusez-moi, changement de pile pour la souris. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous expliquer? Alors, eh ben, on va pouvoir peut-être commencer à faire aussi peut-être de l'agriculture. Parce que je disais que c'était la seule chose qui me manquait à mon tutoriel. Donc je vais commencer mon tuto sur l'agriculture. Ah si, c'est ce qu'il fallait en plus. Ah ouais, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il me faut. Donc voilà, donc ceci est une bêche. Pareil que n'importe quel outil, peut être fait en diamant, en fer, en pierre, en bois. Et je vais donc vous faire une petite coupe. Ouais, allez, je vais faire ça là. Ouais, allez, c'est parti. Donc je vais me faire... Donc ce sera une culture là, évidemment, donc de... Évidemment, comme il n'y a plus, il y en a encore des emmerdements. Voilà, ce que je fais, c'est simplement que je fonde la neige plus rapidement possible. Bon, excusez-moi donc. Alors, on va commencer. C'est de l'équipe droite que je fais, hein. Et mon but est de récupérer des graines. Voilà.
Dame que je ne retrouve, pas. Et donc il faut replanter les graines sur cette fameuse terre travaillée que je suis en train de m'énerver dessus en plus. Pourquoi je trouve pas de graines? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu de la neige sur le... Ouais, donc à mon avis en fait, sur cette herbe là je peux pas récupérer, il faut apparemment, je sais pas, de l'herbe verte ou... Ok, donc je sais pas si j'ai un bug ou quoi, parce que... On peut en récupérer en brisant ces trucs là. Normalement c'est en... Bon voilà, donc c'est un fail étant donné que donc je n'ai absolument rien récupéré. Donc j'ignore c'est parce que si c'est parce que c'est à cause de la glace ou je ne sais quoi, quel autre élément, ben, j'en sais rien. Pourquoi ça m'a pas fait. Je vais m'en refaire une, je vais plutôt chercher ici. Ben, pourquoi je suis là aussi. À la bonne blague. Apparemment il y a deux herbes différentes. Alors apparemment notre forêt modifiée hein, la possibilité de trouver des graines plus facilement. Oh, j'en trouve pas. Possible. D'accord, donc en fait c'est en... maintenant c'est en casse ces trucs là apparemment. Okay, donc il y a... il y a quelque chose de prédestiné, il y a... je sais pas. Voilà, je suis encore dans le problème. Donc ok, donc en fait apparemment la nouveauté de la version 1.7, on récupère des graines en cassant ces trucs là apparemment. Donc j'ignore s'il faut les casser exclusivement à la bête.